garder un peu à ma maman, à notre maman school. La maman là, ça va de bibliothèque, elle va parler. Bon, cette année, on note une crise alimentaire. Voilà, à cause de la crise là, on note aussi il y a beaucoup d'élèves qui s'absentent de l'école. Ma parent est pas tout inquiet, mais qui n'en voit mais est au. Si l'enfant est enfermé, il ne peut pas suivre. Des fois même d'autres rentrent, mais ils dorment en classe parce qu'ils ont faim. Je me suis dit que si on offre un repas par jour gratuitement au sein de l'école, les parents vont accepter d'envoyer les élèves à l'école. Une fois qu'on a les vivres, on peut utiliser les légumes qu'on a cultivés pour manger. On peut alimenter la cantine au fur et à mesure. Un changement total. Au début, les enfants étaient un peu tristes, mais au fur et à mesure, avec l'approche là, on sent vraiment que les enfants, ils se sont relâchés, ils ont compris le but même de la formation. Voilà pourquoi les jardins scolaires là, sont faits pour pouvoir accompagner cela, pour pouvoir augmenter le maintien de ces élèves là à l'école. Donc de façon globale, les enfants apprennent en s'amusant. Am sa lebel am dat ni yakob na ba balam nonga zadion dat ni ntonga zadion ram titu ndatanka.